Tous les sports sur Active Radio. Donc c'est parti. Alors est-ce que vous pouvez nous parler du match qui s'est passé ce week-end, la victoire, c'est ça? Ben oui, c'est une grosse satisfaction car contrairement à l'année dernière, nous avions perdu le premier match, nous n'avions pas pris un bon démarrage en championnat. Nous savions que ce serait un match compliqué avec la réserve de Haut-sur-Blaise et ça a été le cas. Bon, les conditions de jeu étaient très bonnes avec une super pelouse bien humide, ce qui pouvait favoriser, je dirais, la circulation de balles rapides. Alors la première mi-temps fut très tactique avec peu d'occasions de part et d'autre et avec un gros combat au milieu de terrain. Bon, malgré tout, nous aurions pu ouvrir le score par Anthony Bourbon, hein, qui ne remporta pas son duel avec le gardien vers le premier quart d'heure. En deuxième mi-temps, on avait décidé de bien rester en place et de pas se jeter à l'abordage. Finalement, nous avons su être patients, je dirais, et attendre le bon moment pour ouvrir le score par Cédric Dojard, qui a vraiment pas ménagé ses efforts tout au long de la partie. Alors, on a profité de la baisse de régime de notre adversaire pour se mettre à l'abri par Anthony Bourbon suite à une belle action collective. Et puis, par la suite, nous avons plutôt bien géré notre fin de match, malgré le but encaissé, suite à une perte de balle au milieu de terrain, et puis surtout grâce à notre gardien qui a vraiment fait deux arrêts déterminants. Grâce à cette belle solidarité, je dirais, nous avons su préserver l'essentiel, qui était pour nous la victoire et surtout les 4 points hein, qui vont avec, et surtout ça nous permet de bien lancer notre saison. Alors concernant le prochain match, c'est la semaine prochaine, effectivement, c'est dimanche, et nous recevons l'équipe de Doulaincourt en Coupe de Haute-Marne, qui joue en deuxième division, et je crois qu'il a gagné son premier championnat également, donc ce sera un match à prendre avec sérieux.